C'est encore plus simple qu'une visite chez le médecin généraliste. Pour se faire dépister du VIH, Guillaume doit juste présenter sa carte vitale. Comme lui, plus de 5000 personnes ont réalisé ce test gratuit dans les Alpes-Maritimes. Une décision souvent prise sur un coup de tête. Les résultats, non. Hein, voilà, d'accord. Monsieur, voilà. J'ai vu les campagnes, les affiches dans la rue et je me suis dit que ça faisait un moment où je ne m'étais pas fait dépister. C'est pour ça que j'ai décidé de venir et de faire le dépistage voilà, dans un labo qui est proche. Les prises de sang deviennent aussi accessibles que les tests achetés en pharmacie. Mais elles détectent le virus du VIH de manière beaucoup plus précoce. Autre différence importante, en cas de séropositivité, la prise en charge est immédiatement déclenchée. On a eu des gens qui ne se seraient pas fait dépister sans ce dispositif et qui ont profité de ça pour dire bah « tiens, j'ai d'autres analyses à faire ». Le VIH ne m'a pas été prescrit parce que je ne l'ai pas demandé, parce que je n'ai pas spécialement une conduite à risque, etc. Mais voilà, je le fais. Simplicité, gratuité et proximité. 110 laboratoires du département participent à l'opération. En France, on estime à 24 000 le nombre de personnes ignorant leur séropositivité.